4, 3, 2, 1, 0. Il est 21h12. C'est parti. C'est donc dans le cadre de la 13e foire à la Vosgienne de Saulxures-sur-Moselle que j'ai décidé de me lancer un défi, c'est-à-dire de réaliser une performance en live. Sur scène, j'ai réalisé en 15 minutes chrono le portrait d'une vache vosgienne sur un format assez conséquent puisque ma toile faisait 1,50 m par 1,50 m. En fait, quand je me suis mis devant ma toile, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait au moment où on est justement pris par le chrono. Et il faut bien penser à la façon de chronologiquement de poser les couleurs sur la peinture, c'est-à-dire de préparer ses couleurs à l'avance. Et puis après, bien obligatoirement monter les couleurs de A à Z pour arriver au final, de façon à ne pas faire d'erreur. Nous sommes à la moitié du temps imparti. À la moitié. Surtout, la principale difficulté, c'est qu'on n'a pas du tout de, comment dire, on n'a pas du tout de recul, puisqu'on est, on est vraiment qu'à 50 cm à 1 mètre de son sujet. Ce qui est intéressant pour, dans ce genre de performance, c'est surtout pour le public qui voit apparaître une œuvre d'art dans un temps très limité. Au départ, une feuille blanche, une toile blanche, et puis au bout de 15 minutes, eh bien, il se retrouve avec une création. Et là, il voit vraiment l'envers du décor, puisque d'habitude, on travaille en atelier, mais là, il voit l'artiste qui travaille directement sans filet. Olivier, il reste 3 minutes! C'est vrai que j'ai l'habitude de peindre la Vosgienne puisque c'est ma muse au niveau de la peinture animalière. Olivier Claudon, il vous reste 2 minutes. C'est une vache pour laquelle j'ai une énorme passion. Bon, vous pourriez l'applaudir pour l'encourager, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. La vache vosgienne est devenue un petit peu le symbole, l'animal emblématique du massif des Vosges. Et c'est vrai que c'est un animal maintenant qui est connu et reconnu, qui est sauvé, grâce d'ailleurs au travail des éleveurs depuis quelques dizaines d'années. Mais c'est vrai que c'est un animal qui est maintenant incontournable dans le paysage vosgien. On peut applaudir Olivier Claudon, mesdames, messieurs.
Ce qui est intéressant dans le cas de la vache vosgienne, c'est que cette race-là, finalement, elle porte le nom de son département, ce qui est d'ailleurs unique en France. Avoir la vosgienne comme animal emblématique du massif, pour moi, c'est quelque chose de... je dirais, c'est un trésor, quoi. Il va falloir l'utiliser, encourager l'élevage, aider les paysans pour que nous ayons toujours une agriculture de montagne. Donc, moi, je dirais qu'une chose, vive la vosgienne. Hein. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je viens chaque année à Saulxures. Et puis cette année, c'était assez particulier. J'ai appris le décès de Bruno quelques temps avant. Et puis c'était peut-être aussi un hommage à lui rendre, à venir ici. Je suis fier de ramener ce tableau en Suisse. Voilà.